vient de Casteljaloux en Lot-et-Garonne. Des origines un petit peu plus basées sur l'Irlande en ce qui nous concerne. Et cette musique qui a traversé l'Atlantique avec les colons il y a quelques siècles et qui a rencontré d'autres musiques qui existaient déjà là-bas, et c'est devenu le all-time music, puis le bluegrass. Le bluegrass, c'est une musique plus performe que la musique old-time, c'est-à-dire c'est plus rapide, et puis à certaines époques, c'était demandé. Comme la musique old-time, c'était plutôt considéré comme musique folk dans les États-Unis, dans les temps. Également un autre côté qu'on aime beaucoup, les textes en français, la musique cajun. Donc une partie des Acadiens qui ont été déportés en Louisiane quand ils ont été dérangés par les Anglais. Et donc une musique qui parle de la vie, des amours, des fêtes, des balles, danser, boire des coups, de la bière. La musique cajun avec le cri des cajuns et tout ça, au début c'était étrange, mais j'ai vite aimé cette musique. Déjà à l'époque, on a monté notre petit groupe acoustique, on n'a jamais... Vu qu'on n'avait pas d'électricité, on jouait acoustique. Voilà, c'était vite vu. Donc ma guitare électrique, je l'ai eue, j'ai joué jusqu'à les batteries, ils étaient vides. Après, j'ai vendu la guitare parce que j'avais plus de piles. La guitare, elle est des États-Unis, elle n'est pas que sa mandoline. Et le problème, c'est que c'est pas la mienne. Dans le groupe, on est trois bassistes. Et du coup, je me suis mis à la guitare et c'est dur. C'est la deuxième année, c'est la troisième fois qu'il vient et on va y revenir également courant juillet. L'accueil est toujours aussi agréable, on est toujours très bien reçus.